Thank you.
et un écologue paysagiste à qui ils ont travaillé. Du coup, ils ont essayé de remettre un peu de nature dans la ville pour changer la perception qu'on pourrait avoir de l'intérieur de la cour. Et pour aborder le thème de la sensualité, ils sont appuyés un peu sur un imaginaire collectif ou des souvenirs réels pour certaines personnes, de l'amour champêtre un peu, voilà, la déambulation de la campagne, les jeux de cache-cache dans les champs de blé, cet esprit-là. Et donc du coup, ils ont essayé de créer une ambiance complète en jouant sur les sens. Donc vous aurez le toucher simplement en effleurant les herbes hautes ou en vous mettant pieds nus si vous le désirez, c'est pas obligatoire. Vous aurez les senteurs qui vous parviendront, les plantes, un fond sonore qui vous accompagnera aussi, et puis pour le goût, une petite surprise. Alors, ce sont deux architectes de Nice qui ont créé l'œuvre et ils sont partis sur l'histoire d'Ève et Adam. Et c'est pour ça que c'est un tapis uniquement de pommes. La bouche au centre est la bouche d'Ève qui tend à croquer le fruit défendu qui se trouve au-dessus d'elle. Et les quatre pommiers qui sont situés de part et d'autre de l'installation définissent un petit jardin d'Éden au cœur du conservatoire.